High intensity combat interval training. Your workout will start in 5 seconds. 3, 2, 1. Variation autour de 3 thèmes. Squat, pompe, mountain climber. Aujourd'hui, notre squat sera du squat jump in. C'est-à-dire qu'on va partir de la position, descendre en squat, avance, recule, squat. Avance, recule, squat. Ok ? Le mountain climber classique, position de planche, je ramène mes genoux vers le centre. Et enfin, les pompes dites va-et-vient, je vais me positionner en position de pompe, je fais une pompe, je décale, je pompe, je décale, je pompe. Ok ? Au milieu de tout ça, on intègre de la corde à sauter. Si vous avez une corde, vous la prenez. Si vous n'en avez pas, vous simulez. On part sur un format 30 secondes de travail, 10 secondes de repos. On enclenche le timer. 1, 2. Et on se prépare pour les squats. Je vous rappelle, jump in, j'avance, je recule. Allez. 1, j'avance, recule. Tac. Comme d'habitude, faites attention à vos genoux. Vos genoux restent. 5, 7, 3, 2, 1. Ok, préparez-vous pour la corde à sauter. 5, 7, 3, 2, 1. Corde à sauter. Faites de petits rebonds. Inutile de sauter trop haut. Serrez les abdos. Respirez. Ok, prenez la position pour le mountain climber. Allez. Vous modulez votre intensité en gérant la vitesse. Serrez les abdos. Restez ferme sur les bras. Ok. On reprend la corde à sauter. Allez. Évidemment, si vous êtes des pros de la corde à sauter, vous modulez, vous croisez, latéral, avant-arrière. C'est vous qui gérez. Ok, on va reprendre la position en bas pour les pompes, déplacement, tac tac. Allez, une pompe, je décale, je pompe. Si c'est trop dur, vous passez sur les genoux, une pompe, décale, une pompe. Pensez à bien déplacer vos pieds si vous êtes sur les genoux. La dernière. Allez. On repart pour la corde à sauter. Allez. Une erreur sur le timer.
c'est pas grave, vous continuez. Serrez les abdos. Ok, je sais pas où on en est, le timer s'est arrêté, j'ai fait une erreur. Vous répétez ça 3 fois, vous avez votre routine d'aujourd'hui. Allez, bye bye.